C'est bon ça, hein. Je salue celles et ceux qui regardent ma chemise azur sur notre chaîne YouTube. Très belle chemise azur. Chemisette azur. Poil à la casquette. Bon, j'espère qu'elle te plaira, elle est très agréable à porter en tout cas. J'en suis ravi moi personnellement. Bon. Et ouais, bon, on en est où là? Regardez par ici. Alors donc je te rappelle que j'arrive à... Que je lis le chat un peu rapidement de YouTube, mais je ne participe pas. Je participe au chat de Maurice Radio Libre. Ouais. Non, la compagnie, c'est Aigle Azur, Vinky. Tu manques d'informations. Comme souvent, l'information est partielle. Là. Il te manquait la moitié du nom. À bord, nous avons... oui. Nous avons Julia. Il a 44 ans. Il est à Mont-de-Marsan. Présent, c'est quelle matière? Guillaume. C'est du... Je vous dirai après. Il faudrait que je retrouve le nom. Guillaume a 27 ans. Il est au Mans. Ouais, je suis là. Pascal, à 43 ans, il est à Seclin. Oui. Et Arnaud, à 47 ans, est à Ferté-Alais. De toute façon, il parle sans arrêt, donc on n'a pas besoin de le présenter. On va écouter, on va aller dans le nord de la France pour comprendre, pour écouter Pascal, qui est un peu agacé en plus, si j'ai bien compris. Mais agaçant d'ailleurs. Arnaud, tais-toi. Oui, je me tais. Ouais, bah oui, si tu veux rester, faut que tu te taises. Je veux pas me faire mettre dehors. Ah si, si, tu risques de te faire mettre à la porte. Voilà. Là, le micro est coupé, enfin. Tu peux baisser, excuse-moi Pascal, ce serait très possible de baisser un tout petit peu ton micro. Et je vais essayer de faire ce qu'il faut, je m'éloigne un petit peu. Ouais, je sais pas si c'est les moi ou tout le monde, mais je t'entends. C'est possible, je parle peut-être trop près. Trop près du micro. Ouais, voilà. C'est mieux là, ouais, merci. C'est mieux là. Voilà, il fait barrer l'autre, il fait barrer l'autre. Bon. Bon, bonsoir à tout le monde, en tout cas. Bonsoir à toutes et à tous, les auditeurs et auditrices. Bonsoir à toi, Maurice. Ça faisait longtemps que je n'avais pas appelé. Bonsoir à toi, Julien. Et bonsoir à toi, Guillaume. Et bonsoir à Arnaud, même s'il est pénible. Julien, je voulais te dire déjà, moi aussi, je voulais te féliciter. Je n'avais pas prévu de commencer par des félicitations ce soir, mais je voulais te féliciter, moi aussi, pour les démarches que tu entreprends, tant d'un point de vue curatif que d'un point de vue professionnel, honnêtement. Donc, je te félicite. Et même, je t'applaudis. Voilà. Merci, j'espère ne pas vous décevoir. Oh, vraiment. Donc, je te soutiens, Guillaume te soutient, on est beaucoup à te soutenir. Et merci beaucoup, ça fait plaisir. Ben, je t'en prie, et maintenant, il faut juste que ça continue, tu es sur le bon chemin. Ouais. Voilà. D'un point de vue santé que professionnel, donc c'est bien, il faut continuer. C'est très bien, je te félicite vraiment. Guillaume, je suis très content de t'entendre à l'antenne, et toi, je te félicite ainsi que la maman pour le futur bébé. Voilà. Et je suis très content de soirée lèche ce soir, c'est bien. Ouais, c'est un petit peu ça. Je vais pas lécher tout le monde malheureusement, je peux te dire. Puis moi, je lèche un bon poids alors. Voilà. Puis moi, je lèche pas les garçons généralement et j'ai pas prévu de le faire de toute façon. Mais bon, je voulais te féliciter aussi. Et je trouve ce qui est sympa aussi avec Guillaume, c'est que il apporte une vision un petit peu différente. Il parle bien aussi. C'est pas le cas de tout le monde, mais il parle bien, il s'exprime super bien. Et de par son idée d'aller vivre en Indonésie, ce qui est un choix, je trouve que ça nous apporte quelque chose de différent. Voilà, on voyage un petit peu grâce à son intermédiaire aussi. Bon, Maurice nous a fait voyager aux États-Unis. Là, en ce moment, il est à Madagascar. Il parle pas trop de ce qu'il fait à Madagascar. Par contre, c'est un petit peu le reproche que je te fais, Maurice. Mais bon. Par contre, c'est vrai que quand tu étais en Indonésie et que tu nous racontais un petit peu ce que tu faisais là-bas, c'était intéressant. Moi, j'écoutais à une époque Eric et Caroline Lange, qui sont des personnes que tu as forcément entendu parler, Maurice. Des gens qui nous parlent en fait de voyage. Et il faudra absolument vraiment que je fasse ce qu'il faut pour trouver une radio qui nous parle vraiment de voyage, de gens qui sont expatriés et qui vraiment nous fait voyager sur la planète entière. C'est un peu le cas toujours, de Maurice Radio Libre.
Allô la planète, hein, oui. Ça existe toujours, les émissions d'Éric Lange, hein. C'est sur internet maintenant. Ils ont un site, tout ça, ils font des podcasts. Allô la planète, ça te rappelle ? Ouais, ça c'était stylé à l'époque. Ça existe toujours, hein. Ils ont un petit site, ils font des podcasts et tout. Oui, mais bon, c'est des bolosses. C'est ça, parce que ce qui est bien, c'est que quand on a des personnes qui appellent un petit peu de différents endroits, ça nous fait voyager un petit peu. Et puis ça nous fait un petit peu voir les choses aussi d'une manière un petit peu différente, et ça nous apporte aussi certains bols d'air, et Dieu sait que je peux en avoir besoin, en particulier quand j'entends certains intervenants de l'émission que pour l'instant je ne citerai pas. Voilà, ouais. Bon. Et donc, bon. Donc, et ça, mais par contre, je vais pas tarder à être obligé de citer le nom, j'avais deux, trois choses à dire, et je crois que je vais commencer tout de suite par la première, Maurice. Tout à l'heure, je t'ai posé une question que je te poserai donc un petit peu plus tard. Je voulais juste te dire, Maurice, et vous dire à vous tous, que moi, j'écoute Maurice depuis sa toute première émission sur Skyrock. Je crois que c'était en 94, si je ne dis pas de bêtises. Moi aussi. C'est très bien. Je l'ai un petit peu perdu à l'époque où il était en syndication sur le satellite, etc., CanalSat. J'avais fait partie de ceux qui avaient essayé de trouver des radios relais. Moi aussi. En tout cas, donc j'ai donné de ma personne, en tout cas, pour essayer de soutenir au maximum Maurice dans son aventure au tout début, là. Voilà, c'était pas évident, je confirme, etc. Je l'ai un petit peu perdu de vue parce que c'était pas forcément évident de le suivre, etc. Et je l'ai retrouvé depuis la toute première émission sur WeFM. Voilà, j'étais au courant un mois avant qu'il revenait sur WeFM, j'en étais ravi. C'est juste pour vous expliquer l'auditeur que je suis, ok. Ensuite, je n'ai pas, pour info... T'as une carte de fidélité ou pas, Pascal? Non, alors je ne fais même pas partie des... On y arrive, attends, détendez-vous, on y arrive. Je n'ai jamais fait partie du comité des auditeurs actifs, mais j'étais actif à mon niveau. Au 20 ans de la radio, toi, couille molle. Ouais, j'étais au 20 ans de la radio, couille molle, comme tu dis, ouais. Ouais. Vas-y. Bravo, tu fais une gueule, alors. Ouais, ok, super. Et en fait, donc même si je ne faisais pas partie du comité des auditeurs actifs, j'étais actif à mon niveau dans la mesure où j'ai déposé je ne sais combien de dizaines de flyers et de stickers un petit peu partout dans Paris, ok, pour faire de la pub à l'émission. Alors Maurice, je sais que tu n'es pas obsédé par le nombre des auditeurs qui t'écoutent, je le sais très bien. Ok, tu peux très bien même tenir l'émission tout seul, même s'il n'y avait pas d'intervenant du tout à l'antenne ce soir ou demain ou n'importe quand. Tu peux très bien tenir l'antenne tout seul, de toute façon, Maurice, on le sait tous. Maintenant, moi, je me pose juste la question de savoir, en fait, honnêtement, quelqu'un qui tombe sur l'émission et qui entend un Arnaud qui, 90% du temps, est intenable, le mec, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette émission? Sérieux? Alors, en effet, c'est très bien. Ok. Bâtard, t'as juste. Ok, donc bâtard, voilà. Donc imagine, t'as un mec qui arrive à l'antenne, c'est la première fois qu'il entend l'émission, il entend un mec qui dit bâtard, qui insulte tout le monde, il va parler de ma mère bientôt, je pense. Tu me permets de me dégommer et tu veux que je sois gentil avec toi, tu me dégommes et tu veux que je sois gentil avec moi. Avec toi, bâtard. J'aimerais poser la question, en fait, à Maurice. En fait, bâtard, autant qu'il faudra. Je vais te traiter de fils de pute, sinon. Voilà, je savais que ma mère allait intervenir bientôt. Elle est dans la pièce d'à côté si tu veux lui parler, Armand. Armand, tu veux Tu veux lui parler à ma mère parce qu'elle est dans la pièce d'à côté si tu veux. Je vais peut-être me la baiser. Ouais, bah voilà, on va faire ça. Tu vas voir, elle va débarquer direct chez toi, tu vas pas comprendre. Maurice, est-ce que je peux te poser une question, s'il te plaît? Il va prendre par les couettes, là, je vais la faire couiner, ta mère. Maurice, mais je t'écoute, Pascal. Donc, Okay. Très bien. Je sais que le concept même de l'émission, c'est Maurice Radio Libre. Donc, en effet, tout le monde est en droit de pouvoir s'exprimer dans le respect de la loi et de la politesse et compagnie. Mais je souhaiterais vraiment comprendre. Je sais que tu es parrain d'une association, d'une radio handicapée, je crois, Maurice, etc. Je sais qu'aussi, de toute façon, tu laisses la parole à tout le monde. Mais j'aimerais vraiment comprendre comment tu fais pour être aussi tolérant avec un parasite, et je dis bien parasite comme Arnaud. Quoi. Grosse merde, toi. T'es une grosse fils de pute, toi. Je vais te niquer ta mère, toi. Arrête de parler de la maman des autres, autrement on va se mettre à parler de la tienne, Arnaud. Hein et si jamais on parle de la tienne, ça va te piquer les yeux un peu. C'est marrant, Pascal, parce que j'ai appuyé sur le bouton, pour être pénible. Mais... En fait, tu me fais penser à la première partie de ma vie professionnelle à la radio.
quand j'ai démarré la radio, il y avait un directeur d'antenne. Et le directeur d'antenne, il faisait exactement comme toi. Sauf que lui, il disait pas, il y a des gens qui machin truc, il disait l'auditeur. L'auditeur, lorsqu'il va entendre ça, il disait ce qu'allait faire le mec. Et je trouve que t'as le ton, en plus t'as un bon micro, donc on t'entend vachement bien et tout ça. Donc, tu sais, ouais. On a l'impression en fait que tu es en train de me passer un savon. Bah c'est presque ça. Hein. Oui, enfin, à la différence près que tu ne peux pas me passer un savon, Pascal. Tu peux en avoir l'air, tu peux prendre le ton, c'est amusant, mais tu peux pas me passer un savon. Je veux dire, qui es-tu? Tu vois. Franchement, l'an dernier, pendant 5 ans. Non, t'es gentil comme mec, mais bon, voilà. Donc le programme, tu l'écoutes ou tu l'écoutes pas, en fonction de tes envies. Que tu sois, moi je comprends, tu peux être très agacé par le comportement de d'Arnaud qui s'est remis à boire de l'alcool et donc qui est incontrôlable quoi. Tu peux venir dire un truc, mais cette remarque, si tu veux, appuie sur le bouton, Arnaud s'il te plaît. Tu parleras après on va t'écouter. Et donc je comprends que voilà, tu fais partie des gens qui écoutent, t'as un truc à dire, tu viens de le dire. Mais tu, tu vois, il faut aussi que il faut raison garder, voilà. C'est-à-dire que à un moment, Maurice, ouais. Je t'ai juste posé la question de savoir est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu es aussi conciliant avec ce mec qui est un parasite, mais vraiment quoi. C'est inaudible l'émission quand le mec il est là, tout à l'heure, même au début avec Julien et puis Guillaume, qui essayaient d'échanger, il y a un mec qui parle par-dessus, on n'entend même pas la conversation, c'est inaudible quoi. Tu forces un peu le trait. C'est vrai qu'il est agaçant, Arnaud. C'est vrai qu'il est saoul, Arnaud. C'est vrai qu'il est saoulant aussi. C'est vrai qu'il répète toujours la même chose. C'est vrai qu'il dit pas grand chose d'intéressant, c'est vrai qu'il s'invente une vie de militaire qu'il a jamais eue, c'est vrai qu'il nous parle que de sa caravane là aujourd'hui là. Maintenant il a inventé qu'il s'était acheté une nouvelle bagnole, on sait tous que c'est pas vrai, etc. Bon, mais en même temps, si on l'accueille pas un peu ce mec là, qui va l'accueillir quoi? Ça a un côté un peu Ah, tu fais du social donc. Un peu déconnant, un peu non, je suis dans l'humour plutôt parce que en même temps, il est un peu, c'est un peu marrant quoi comme truc, c'est une espèce de fou furieux qui répète n'importe quoi, des trucs qui coupent la parole aux gens. Tu as un petit côté un peu délirant quoi, un peu fêlé, tu vois, un peu fou quoi. Je me disais mais ça va bien un moment quand même. Non, quoi, non, je suis d'accord. D'échange, si on peut pas échanger normalement. Je suis d'accord. Je suis d'accord, Calimero. Ouais. Je suis d'accord, Calimero. Mais en même temps, là, c'est pas Calimero, c'est un peu. Quand même. Moi, ça fait 24 ans que je t'écoute, entre guillemets, sauf que je t'avais un petit peu perdu de vue. Et non, franchement, je me pose la question de savoir, quelqu'un qui écoute la radio pour la première fois, il se dit, oh putain, c'est sympa, c'est une radio. Il se dit, il y a d'autres qui se barrent. Hein. Mais il y a des gens qui se barrent, mais bon, tu veux, notre idée, c'est pas d'essayer d'être joli comme tout pour que les gens puissent rester. Nous, on a envie que reste. De l'autre côté, dans ceux qui découvrent le programme, ceux qui sont intéressés par le bazar, quoi, qui se disent, tiens, c'est un truc un peu différent et qui vont venir. Alors, c'est vrai, il y a des gens qui sont d'accord avec toi, d'autres qui ne seront pas d'accord. Moi, c'est moi qui ai la décision finale. Arnaud, je l'accepte pendant un petit moment, jusqu'au moment où ouais, il commence à trop me brouter, là, ouf, je le sors, j'appuie sur le bouton. Là, tout à l'heure, il a envoyé des. Il a écrit. Mort de rire. Après, il a envoyé un petit émoticône là, avec un truc. Après, il a écrit, il y a quoi? Après, il a écrit, tu dors. Après, il a écrit, il y a quoi? Bon, il y a un côté envahissant, tout ça, mais en même temps, un peu marrant, quoi. Un peu fou, un peu... Il te met un peu sur les nerfs, quoi. Il y a des moments... Enfin, pendant un temps, je le supporte. Alors, ceux qui le supportent pas sont déjà partis depuis longtemps. Et puis il y a ceux qui se disent, tiens, il y a l'autre fêlé là qui est derrière, on comprend rien à ce qu'il dit. Tant qu'il n'injurie pas trop les autres, parce que
En même temps, il a ce côté, bon, je lui redirai, il va titiller moi, les autres. Moi, c'est déjà fait, hein. Moi, je suis insulté, ma mère aussi, déjà, c'est fait. Hein. Ouais, mais bon, ça c'est fait déjà. Tu le savais en volant. Pascal, tu te souviens de Yann Davon, de tout le monde, du tollé que ça générait, que tout le monde voulait qu'il arrête, qu'il se casse, que Maurice devait plus le recevoir. Ça avait fait toute une histoire. Il y avait des centaines de Maurice n'en était pas caché. Et Maurice ne s'en était pas caché à l'époque. Il avait dit, si j'avais dû dégager de l'antenne tous ceux qui recevaient des plaintes, pas tous ceux pour lesquels les gens, certaines personnes se plaignaient, il n'y aurait plus personne à l'antenne, quoi, à la limite. Bah voilà. Mais moi, alors qu'il est au moment où je parle, et toi ou Guillaume, je suis sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de nous entendre, ni toi, ni moi, ni Guillaume. Donc à ce moment-là, il n'y a plus personne à l'antenne, en effet. Voilà. Mais moi, c'est pour ça. Je suis désolé. Arnaud est un parasite, il est insupportable 90% du temps. Et parasite, ce n'est pas une insulte. Tu vois Si, un peu. Parasite, c'est une injure. Tu vois pas ce qu'il y a de valorisant. Le parasite, t'as le droit de réponse ou pas? Après, Arnaud, après, t'as déjà trop parlé, donc voilà, laisse parler les autres de toi. Ça fait beaucoup, là. Ouais, mais t'inquiète pas, ça va être ton tour, après tu vas pouvoir y aller. Mais tu vois, Maurice, c'est vraiment un parasite, comme un son, je sais pas, électronique ou électrique qui fait comme un brouillage sur les ondes, quoi. Ah oui, il a un petit côté, au bout d'un moment, il peut être, quand on est dans quelque chose de précis, il peut être vite énervant comme un voisin qui utiliserait sa perceuse. Mais... Mais il a un côté... je pense que ce mec-là... Depuis qu'il appelle dans l'émission, il a dû dire en tout et pour tout peut-être 5 choses. Maurice Radio Libre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. Tous les soirs du lundi au vendredi, depuis le 11 juillet 1997, ouais, ça rigole pas. Hein. Un message de Gabi, à 37 ans après SAS. Bonsoir Maurice, petit message pour Pascal. Oui, Pascal m'énerve déjà. Bonne soirée. Ouais, c'est comme ça. Hein. L'émission, elle est comme ça. Laurent a 47 ans, il est à l'avance. Salut Maurice, et si on ne garde que le côté raisonnable, on a juste des discussions avec leurs beaux-parents le dimanche midi devant le gigot flageolet. La dernière de chez Audi, le résultat de l'OM, la sécheresse au jardin. Ouais. Donc, il faut pas en abuser, hein. Mais il y a toujours eu des gens qui agaçaient les autres dans cette émission. Toujours eu plein. Il y a eu Claude de Bègle. Ah, les gens, ça les rendait fous. Il y a eu Sylvie, quand j'étais sur Sky. Il y avait Sylvie Damien, qui était une dame qui avait... qui était dans un hôpital, qui avait pas toutes ses facultés, qui appelait régulièrement, et il y avait des gens qui n'étaient pas contents. Hein. Appelait en disant je sais pas quoi. Et bon, on a vécu plein d'aventures, elle appelait presque tous les soirs, pendant une période. Et puis un jour, elle a pas appelé. Et le jour d'après, on m'a dit, il y a Sylvie, elle est là, elle s'est échappée de son truc. Ça a été une galère, mon pote. Là. Je ne raconte pas. Ça, c'est pas les gens qui disent, ouais, c'est parce qu'il fait dans le social. Moi, je fais dans la rencontre. Là, c'est un peu particulier, mais je fais dans la rencontre. Tiens, je voudrais dire à Célestin que le monsieur dont il parle ne me cherche pas. Il est même venu, il est intervenu dans cette émission déjà. C'est juste que tu sais pas trop qui c'est, je pense. Que tu as lu son nom quelque part. Mais il est déjà intervenu. Il est intervenu 2-3 fois dans l'émission. On a déjà conversé. Donc il sait où je suis. Ouais. Bon, si on veut me parler, on sait où je suis. Hein. Hop. Maurice.usa. Hop là. Tac. Et ouais. Voilà. Et si tu veux parler avec moi à l'écrit, va sur le site internet de notre radio, mauriceradiolibre.com. Tu cliques sur chat et voilà, tu vas parler avec Juju, avec Cyril, avec Aubert. Tu vois qui c'est Aubert d'ailleurs. J'en connais 2 ou 3 des Aubert, moi. Bon. On y va, là, regardez. Ici, nous avons... nous avons Julien, il a 44 ans, il est à Mont-de-Marsan. Oui, présent.
Guillaume, à 27 ans, il est au Mans. C'est ça. Pascal, à 43 ans, est à Seclin. Oui, c'est ça, j'aimerais ajouter un tout petit quelque et chose. Et Arnaud est à la Ferté-Alais, il a 47 ans. Et moi, je veux retirer quelque chose. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ça va être à 3 après, mais on va écouter encore un petit peu Pascal. J'aime pas vous faire allumer. Non, mais t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Essaie de ne pas te tirer une balle dans le pied. Oui, mais bon... Parce que si tu veux avoir l'occasion, si tu veux avoir l'occasion de répondre et de réagir, il ne faut pas que tu parles à tort et à travers, parce qu'autrement, je vais te foutre à la porte. Ce serait dommage. Bon, allez-y, Pascal. Prenez votre temps, on n'est pas pressé, hein, Pascal. Juste pour te dire un petit truc vite fait, puis après on... Mais pourquoi tu veux dire des trucs vite fait, toi? Pourquoi est-ce que tu veux dire des trucs vite fait, là? T'es en train de t'emballer, là. Reste zen. Détends-toi. Alors, je la fais zen. Oui. Je voulais juste... il fut à plusieurs reprises, dans cette émission, Maurice, tu as dit, à plusieurs occasions, divers sujets, que tu étais favorable à la délation, et aussi tu as dit qu'il était plus qu'interdit que de parler pendant les disques, ok? Donc moi je vais te dire un truc, pendant le disque non seulement Arnaud parle, mais en plus il m'insulte. Après tu fais ce que tu veux. Attention Arnaud aux ennuis. Bon, j'ai noté ce que tu viens de dire. Arnaud, pour des trucs comme ça, si t'es chopé par quelqu'un de l'équipe, on te met à la porte directement, on appuie sur le bouton. Désolé, l'équipe, je vous adore en plus. Non, mais on s'en fout, moi je m'en fous que tu m'adores ou pas, je suis pas ta maman, moi. L'équipe, je préfère l'équipe que toi. Ouais, c'est bien, t'as raison. Ils te le rendront mieux que moi, je pense. Ils sont beaucoup plus sympas. Ouais, moi je suis sympa, mais c'est limité ma sympathie, attention, c'est une sympathie qui a un début et une fin. Non, c'est important que tu entendes ça, Arnaud. C'est important que tu entendes ce que je te dis. Parce moi, je veux pas te prendre en traite, donc je te dis tout. Ah non, mais ça me fait un mal de chien. Mais ouais, mais c'est pas grave. Il faut que tu sois un mal de chien. Ben si, je te le dis, moi. Mais je suis comme ça, chien, moi. Tu le sais très bien. Je vais faire un constat ou je sais pas quoi. Ouais, fais un constat, fais un constat. Moi, ça m'embête pas. Je suis pas facile à effrayer, hein, tu sais. Constat amiable, je vais faire un constat amiable. Ouais, fais un constat amiable. J'ai parlé, on m'a fermé la gueule. Ouais, et... Donc, je constate qu'on m'a fermé la gueule. Ah oui, c'est bien. Bon, allez, vas-y, Arnaud, c'est à toi, maintenant. Ouais. Alors, l'autre, il est complètement désagréable, il est complètement paranoïaque. Il en a après moi, ma personne... Non, mais si t'as pas l'envergure de ma personne, tu peux pas m'atteindre, mec. Non, en même temps... Je vais parler à Pascal, là, Clochard, là. Non, mais en même temps, Arnaud, on comprend, t'es quand même super énervant. Non, mais c'est vrai que ça fait 7 ans que je suis là, que je fais... Moi, il me tarde que quelqu'un commence à injurier ta maman, comme tu fais... Attends, j'appuie sur le bouton. Il me tarde... Que quelqu'un commence à injurier ta mère, à proposer ta mère, de te prendre ta mère par tous les trous comme tu le fais pour les mamans des autres. Il me tarde de savoir ce que tu vas raconter. Mais peu importe, t'as vu Lucas aller essayer, il s'est fait remballer Lucas, ton collègue là, ton gamin là, 25 ans, il s'est fait remballer. Et voilà. Ouais, j'ai pas trouvé moi. J'ai trouvé qu'il t'a mis une belle raclée quand même. Hein. Parce qu'en plus, lui, il a un style qui est beaucoup plus posé que le tien. La paire de tartes qu'il t'a mise et la proposition qu'il t'a fait pour ta maman, ça m'aurait mis les larmes aux yeux. Il hein. faut être comme toi, il faut avoir beaucoup bu hein, pour le supporter. Mais Arnaud, excuse-moi, je te coupe, mais si tu parles en même temps que Maurice, en fait, on n'entend pas ce qu'il dit, quoi. Donc laisse parler Maurice, après tu réagis... Parce que moi, j'aimerais bien entendre ce que Maurice a à dire, quoi. Ça coupe, quoi. Je suis une grosse merde pour toi. Je suis une grosse merde, c'est ça? Mais non, j'ai pas dit ça. Tu vas te faire insulter aussi, Julien. C'est pas ça que j'ai dit. C'est pas du tout mon propos. C'est ça, fais-toi plaisir, lâche-toi. Depuis que t'es retombé dans la drogue... Oh là là, c'était pas mon propos, Arnaud. Arrête d'être parano, c'était pas mon propos. Et quand Arnaud est à l'antenne, 90% du temps, il a ce comportement-là, voilà.
Ah, c'est tout, voilà. T'es un clochard, toi, t'es un épicier, tu comptes les secondes, toi, t'es un épicier, toi, t'es un bâtard. Tu t'es éloigné, n'injurie pas les épiciers. Ah, tu t'es trop éloigné du micro, Arnaud. N'injurie pas les épiciers. Non, mais sérieux, les gars, le clochard, il appelle une fois par an et il se permet de rabaisser, là. Le machin, là. Parce que toute l'année, je te supplie quand j'écoute les podcasts. Et on est beaucoup à te subir. Donc c'est pour ça, à un moment donné, ça saoule, quoi. Ah, c'est bon, t'es pénible, toi. Et va manger tes morts. Va manger tes morts, ça te fera de l'appétit. D'accord ? Va manger tes morts et laisse-moi tranquille. Et moi, si je te vois, je te roule dessus. Alors, dans l'état dans lequel tu es, si tu le roules dessus, là... Donc là, c'est menace de mort, je fais quoi? Je porte plainte à la police, Maurice, si j'ai envie, ou... Non, Pascal, tu portes pas plainte, il vaut mieux qu'on le garde à l'intérieur, là, il est pas en train de conduire, donc c'est bien. C'est de l'ivresse, mais à la maison, donc ça, on a le droit. C'est sur la voie publique qu'on n'a pas le droit. C'est légal, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi? Tu veux faire des menaces, toi? Des menaces de mort? T'es un enculé, toi. Pascal, là, mes couilles, là. Et refais-toi le visage. Je vais te dégommer, toi. Moi, je suis pas gagné. On enchaîne ou on enchaîne pas, là? Je vais être ça toute la soirée, là. Ah, peut-être être ça toute la soirée, enfin, jusqu'à ce que Maurice en ait marre. Hein. Ah, bâtard insolent. Eh, tu vois, Gaëtan, à côté, il est gentil avec moi. Il est gentil par rapport à moi. Moi, je suis pire que Gaëtan. Tu comprends, mon frère? Et va te faire reculer, fils de... Va te faire enculer, moi je suis Gaëtan, à côté c'est un agneau, toi. Bon, allez, Arnaud, faut que t'avances là un peu. Faut que tu arrives à dire quelque chose. J'ai été au lavage. Ah. Au lavage automatique avec le SUV, là. Et en fait, j'arrive, je prends la carte bleue, programme 2, là. C'est chiant, les mecs qui prennent de la coupe derrière. Et ouais, je mets le programme 2 à 4€, toi. Et puis ça met un code erreur. Je vais voir la station service et je dis il y a un problème et tout. Et puis après, la bonne femme, elle vient et tout avec la clé. Je dis en fait, j'ai fait le 5. Le 5 avec le 4€. Et enfin, elle m'a mis le programme maximum. Et enfin, grâce à ma... Il n'y avait pas de trace, il y avait un code d'erreur, donc il n'y a pas de trace. J'ai mis, mettez le maximum, enfin, le 8, le 5, à 8€, et voilà, j'ai la voiture qui est toute propre, quoi. Et il y a le déferlant, il y a tout ce que tu veux, et putain, ils m'ont mis la crème de la crème. Ah ouais, je suis pas con, c'était ma journée, ce jour-là. J'arrive, la carte à 4€, elle passe pas, et... Elle me fait un lavage à 8€, je suis pas la moitié d'un con, quand même. Ok. Voilà, après, la patronne, c'est Mathias, doit se repérer. Bon, j'ai pas trop envie d'en parler. C'est perso, c'est... Ouais, t'as c'est raison, il y a des choses dans les stations de lavage qu'il vaut mieux garder pour soi. Ouais, mais on est dans le lavage, c'est un truc intime, presque. Attention, tu mets les pieds, là, où tu mets la bouche, là. Attention, tu mets la bouche. Ouais, bah justement, je vais pas mettre la mouche, moi. Arracher la mâchoire. Ça, bon, Arnaud, faut ouvrir la fenêtre maintenant un peu, respirer. Il y a quelqu'un d'autre. Si, fais ça. Il y a quelqu'un d'autre qui veut. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, alors qui va là, je te prie. Alban, 39 ans, de Mons. De Mons, en Belgique. Alban, t'entends pas bien, mais c'est à toi la main. Ben, écoute, je te propose de te rappeler avec du matériel un peu plus adéquat. Avec joie, on t'attend avec impatience. Allons à Mont-Marsan, écoutez Julien. Ouais, il y a un truc dans ma rue, en fait, c'est pour les poubelles. C'est trois boîtes en inox. Avec une trappe et tu balances tes poubelles dedans et c'est incrusté dans le sol, en fait c'est souterrain, alors je comprends pas trop comment ça marche, s'il y a des tapis roulants en dessous qui amènent les poubelles à un endroit, parce qu'il n'y a pas de camion qui peut passer dans ma rue pour ramasser les poubelles. Y a pas de camion. Je sais pas trop comment ça marche.
Non, j'habite dans une rue à sens unique où il n'y a qu'une voiture qui peut passer. Tais-toi, Arnaud, tais-toi, laisse-le parler, putain. Mais toi, tu vas me donner les ordres, toi, tu vas... T'es qui, toi, grosse couille-bol, là? T'es qui, toi, pour me donner les ordres? Faut que je règle le compte, là, tout de suite, là, parce que l'autre, il commence à prendre ses aises et tout, il se permet de me parler, je connais pas ni Nadan ni Dave, et... Mec là, bah attends, il dit deux phrases, ouais, tu le coupes, et tu fais pareil que tout le monde, donc foulez la paix, laisse-le parler, c'est tout. Enculé, t'es une grosse racaille pour moi, tu interromps comme ça les gens, c'est une grosse racaille, t'es une grosse merde toi en fait. Ok, ferme ta gueule, laisse parler Julien. Enfin voilà, je sais pas trop comment ça marche ce système de poubelle là, ça m'a étonné. C'est en fait, les gens de l'association savaient pas ce que je devais faire des poubelles. Et c'est à la pizzeria, je leur ai demandé, je leur ai dit, vous savez où sont les poubelles? Ils m'ont dit, oui, elles sont enterrées là, au coin de la rue. C'est quoi? Oui, elles sont enterrées au coin de la rue. Mais comment ça? Alors elles sont sorties et puis elles m'ont montré les comptes. Enfin, c'est des. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Maurice? Ouais, je crois que j'ai déjà vu le principe. Mais je l'ai vu. Julien, je vais t'expliquer. C'est pourquoi ils enterrent, c'est pour ça évite de faire du bruit quand tu jettes tes ordures, tout simplement, à médecine. Bah oui, mais comment il les récupère après s'il y a pas de problème? Il est super avec un camion. Mais c'est enterré dans. C'est enterré dans la sol. Il y a un accès pour soulever. T'es un imbécile ou quoi? Mais non, il y a pas de camion poubelle qui peut passer dans ma rue, Arnaud. Ah, la drogue a brûlé les neurones. Bon, d'accord, raconte, non, t'en sais rien, en fait, tu sais pas de quoi je parle. La drogue, elle t'a brûlé les neurones. Ouais, d'accord, c'est l'alcool qui t'a... C'est toi, c'est l'alcool qui t'a brûlé les neurones. T'es complètement parano. T'es complètement parano, tu crois que Maurice t'envoie des motards. Tu crois que Maurice t'envoie des gens pour te surveiller et tout. Voilà pourquoi je t'ai bloqué, parce que t'es chiant, quoi. Moi, j'ai t'es chiant, coups, tu pars en vrille, tu ton traitement il va pas. Il faut que tu changes de traitement, Arnaud. Ton traitement ne va pas. Tu vas perdre et tu vas déçu là. Mais oui, c'est déçu. Bah tant mieux si je t'ai déçu. C'est une grosse tu merde. Tu me saoules quoi. Mais oui, je suis une grosse merde. Oui, c'est ça. Oui. Mais je me rabaisserai pas. Ah, c'est pas à moi de parler, mais t'es. Je me rabaisserai pas, enculé. T'as mis ta mère, dedans, voilà. T'as mis les oreilles dedans, t'as mis la tête dedans, et c'est bon. Oui, c'est ça. T'as pas c'est de faire des leçons, toi. T'es loin, t'es mal placé pour nous faire des leçons, toi. Mais oui, c'est ça. T'es vraiment mal placé avec ta consommation de drogue. Oui, et toi, et on est reparti dans les insultes, vas-y, c'est du classique, c'est du Arnaud. Tu prends quoi, toi, Guy, Pascal? Quoi, ça va, Maurice, le niveau de tolérance là, c'est bon là? On est bien là? Ouais, sérieux quoi. Et Maurice, t'as une patience, mais j'arrive même pas à comprendre comment tu fais, franchement. Pascaline là. Viens, Pascaline, je vais te pascaler, mon frère. Je vais te pascaler la tête, tu vas voir. Mais viens à la Ferté, mon frère. Tu veux jouer au show là? Tu as le micro là, vas-y. Tu dégommes, Arnaud, il propose des bagarres. Le mec, il pourrait que tu ailles te battre avec un mec qui est sous. Maurice Radio Libre, la radio carrément libre. J'adore ce programme. Ah, formidable. Je voudrais remercier au nom de celles et ceux qui travaillent à Maurice Radio Libre, celles et ceux qui gagnent leur vie donc dans l'équipe, celles et ceux qui participent à l'émission ou celles et ceux qui ne font que l'écouter. Je remercie Jérémy qui habite quelque part sur la planète, qui a été faire un don à Maurice Radio Libre, t'as compris que c'est comme ça qu'on arrive à financer le bazar. Merci beaucoup, Jérémy. C'est grâce à des gens comme toi, des gens qui ont compris que voilà qu'il fallait faire un choix. Soit c'est la pub de lessive, soit c'est autre chose, plutôt à des gens qui parlent, qui causent et de la musique. Et c'est grâce donc aux gens comme toi qu'on arrive à ne pas t'assommer toutes les 5 minutes avec des choses à aller acheter. Merci beaucoup pour le don que tu as fait. C'est grâce donc aux gens comme toi qu'on arrive à faire exister Maurice Radio Libre sans discontinuer depuis le 11 juillet 1997. Et ouais, 22 ans quand même. Donc c'est bien.
Je salue Apache, qui vient de se connecter sur notre chat, qui fait partie des fidèles. Bon, il a un peu de mal à être là au début et à tenir jusqu'à la fin, mais il est là. Il passe la tête. Et il n'est pas comme certains qui arrivent, comme Amon, qui arrivent à l'heure et qui s'en vont quand c'est fini et que je félicite. Mais bon, en tout cas, il est par là, c'est bien. Bon. Pardonnez-moi. À bord, nous avons... Arnaud, attention. Arnaud, attention, je vais te mettre à la porte, là. Ça commence à sentir la fin pour toi. À bord, nous avons Julien, il a 44 ans, il est à Mont-de-Marsan. Présent. Guillaume a 27 ans, il est au Mans. Je suis là. Pascal a 43 ans, il est à Seclin. De nouveau insulté pendant le disque par Arnaud. Arnaud est à la Ferté-Alais, il a 47 ans. Alban a 39 ans, il est à Mons en Belgique. Présent. Alban, c'est à toi la main. Bah écoute, je reviens d'arriver ici entre trois enculés, deux fils de pute et... Ah ouais. Non, c'est pas contre toi. Encore un Arnaud qui... Ah oh non, c'est désolé. Bon augure. J'adore les Belges. Ouais, non, mais je suis pas belge justement. Ça, bah, les femmes belges plutôt. Non, mais très bien. Mais voilà, donc écoute, moi j'appelais pour te faire part de mon retour d'expérience durant les quelques derniers mois avec la voiture électrique. Ah ouais, très bien ça. Et c'est super quoi. Ça marche bien ce truc. Hein. C'est, t'as la BM, la X2 là, la XA. Alors, là pour l'instant je suis en transition, donc j'ai la 330, mais là c'est une hybride. La BM ? Ouais, c'est une 330E. Ah, c'est pas mal. Mais j'avais la i3 et c'était full électrique et ça marchait bien. Hein. Ah ouais. Donc c'était un truc qui était super. Et alors, combien tu fais de kilomètres par jour? Je fais à peu près 150 km par jour. Ah ouais, quand même, c'est pas mal. Donc en la rechargeant, et tu la recharges tous les soirs tous les soirs, bah t'arrives en fait, chez toi, tu mets le connecteur. T'as branché comme ton téléphone, Julia, t'es un mongolien ou quoi, Julia? D'accord. Ouais. Donc tu peux pas l'utiliser deux jours sans la brancher. Voilà, le mongolien. Ouais, non, c'est vrai, tu peux pas utiliser deux jours sans la brancher, mais en fait ça te prend moins de temps. Comme ton téléphone, Julia, t'es con ou quoi, Julia? J'avais oublié ça aussi. T'as brouillé les... Arnaud, tu peux me laisser la main, s'il te plaît? Arnaud, c'est la dernière fois, par contre, hein, pour ce soir. Je te le dis, bon, t'es préparé, hein, t'as bien compris que ça va être bientôt la fin de ton intervention. C'est la dernière fois pour ce soir que je te préviens. Le prochain coup, je te fous à la porte. C'est bon ? Allez-y, Alban. Ok, donc, je vais répondre à Julien par rapport à ça. Ouais, mais en fait, le truc maintenant, c'est que j'ai une hybride. Donc, tu fais 30 km en électrique. Ouais. Tu sais la recharger. Et en fait, maintenant, j'ai l'impression que je passe mon temps à la station essence. Quoi. C'est un truc de fou. Ouais. Et parce que, parce que c'est un petit réservoir là, ah ouais, mais c'est un truc pour. C'est pas fait pour sauver la planète, la voiture pour l'instant que j'ai. Mais sinon, là, en voiture full électrique, tu passes moins de temps à. Allez, tu ouvres la porte, tu vois, t'as le câble qui est là, tu le branches, ça te prend quoi, 10 secondes, et en fait, aïe, c'est parti quoi, c'est fini. D'accord. Hop. C'est super. Maintenant, je passe mon temps. J'ai l'impression que je passe mon temps à la station essence. Et bientôt, là, je vais avoir la Kia, donc ma vraie voiture électrique, donc la Kia Uniro. Et là, je suis très très content avec ça. Là, je vais avoir ça va être bien. Ça. Et là, tu fais 350, 400 km à l'aise avec une seule charge, quoi. D'accord. Et tu t'arrêtes sur l'autoroute, 25 minutes, une demi-heure, tu vas pisser, tu fumes ta cigarette, voilà, hop. Tu prends ton café, terminé, tu repars. Tu refais 400 km derrière. Quoi. Ouais, une demi-heure. C'est confortable ou pas, l'intérieur et tout ça? Ah ouais, franchement, ouais, c'est bien. Hein. C'est bien foutu. Hein. Ah ouais, franchement, c'est... Moi, je trouve que maintenant, ça commence à être... C'est la Kia Niro? Niro? E-Niro, Arnaud. Je l'ai conduit, elle fait 140 chevaux et tout. Ouais. Non, elle fait 200, je crois que c'est 210 chevaux. Oh non, elle fait 140 chevaux. Ouais, non, ça c'est la... La Niro. Non, c'est la E-Niro. Ah, je connais pas.
Ah bah c'est la même mais en électrique en fait. Ah ouais, mais elle ressemble à la classe A. Ah je sais pas. Enfin, je sais pas la classe A, mais... Tu connais Mercedes ou pas? Bah, ouais. Tu connais pas les classiques, laisse tomber, je parle à un mur. Bah non, mais tu sais, moi je suis pas... Moi tu sais, moi avant de travailler, ça fait 3 ans maintenant que je travaille là. Avant ça, moi j'avais toujours eu des voitures pourries. Moi j'ai commencé avec une 104. Et après j'avais une vieille Seat Ibiza toute carrée là. Truc tout bizarre. Ça marchait bien, hein, ceci dit. Hein. Chelou, et maintenant, c'est vrai que là, maintenant, j'ai une BMW devant la maison là. C'est vrai que les belles voitures, c'est quand même pas mal, quoi, finalement. Ouais, il faut une maison, quoi. C'est ça le problème. Il faut une maison. Parce que quand t'as un appart, tu peux pas te garer. Tirer un fil de l'appart. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. T'as raison. Mais maintenant, les bandes, ça commence à. Ah non, la Niro, non, elle est vachement bien. Parce que j'ai un studio. Et je vais la voir parce que, en fait, c'est une désistation parce que normalement, il y a 11 mois de délai. 11 mois de délai sur cette voiture-là. 11 mois de délai, c'est pas pour des bâtards. Non, c'est qu'elle a tellement eu de succès, ce truc-là, que... et c'est une désistation, c'est un mec qui s'est désisté. Désistement. Ouais, excuse-moi, désistement, désolé. c'est très français, ça se dit, ouais. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc, je suis extrêmement content de. Et c'est là, je viens d'avoir la nouvelle aujourd'hui, donc je suis extrêmement content enfin d'avoir ma vraie voiture. Et tu sais combien elle coûte? 47 000 euros. Ah oh, putain, alors, c'est cher, quoi, quand même. Ouais, c'est cher. C'est vrai. Ouais. À ce prix-là, t'as quoi un Picard à ce prix-là? Ah, je préfère m'acheter un T5 Westphalia. Ah, ouais, ouais non, je comprends bien. C'est bien, toi, t'as ton Picard pour prendre tes traces de coke. Pourquoi t'en veux à... Pourquoi tu dis ça, Arnaud? Parce qu'il est retombé dedans. Bah ouais. Parce qu'il parle à tort et à travers, il insulte tout le monde, ça va bientôt être ton tour à mon avis. Ah ouais Non, Arnaud, moi j'ai déjà côtoyé, donc ça devrait aller. Hein? Avec plaisir, bah tu t'es déjà fait comparer à un mur déjà, hein. C'est un début. Oh bah c'est... Ouais, ça va, hein. Moi je l'ai appelé une fois, son cousin m'a montré ça. Il met son grain de sel depuis tout à l'heure et... Il veut vraiment que je foute le camp, quoi. Mais quand je dis fils de pute, je pèse mes mots, quoi. Mais quand tu dis fils de pute, est-ce que tu ne t'intéresses pas à ta propre expérience? Est-ce que c'est parce que ta mère a eu beaucoup de partenaires, Arnaud? Parce que ta mère a beaucoup forniqué et que c'est ça que t'as en travers maintenant que t'as 44 ans ou 47 ans? T'as du mal à imaginer que tu puisses lui faire entendre raison puisque c'est fini, elle est vieille et que les clients ne montent plus. Quelle est la raison de cette espèce de haine que tu as et cette envie de voir chez chacune des personnes qui vient parler sans même te parler à toi, qui vient parler, imaginer des fils de pute, des machins, des je sais pas quoi, des histoires de couilles, etc. Est-ce que c'est parce que ta maman t'as fait vivre des expériences extrêmement difficiles quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu as vu défiler les hommes à la maison? Est-ce que les fins de mois étaient difficiles? Est-ce que de temps en temps vous arrêtiez sur l'autoroute, d'où l'histoire de la caravane, pour que maman puisse forniquer avec quelqu'un pour pouvoir mettre le plein dans la bagnole? Est-ce que c'est pour ça qu'on t'entend sans arrêt parler de ça, sans arrêt imaginer que les autres ont vécu la même chose que toi? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu t'es mis à boire? Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à cesser de boire aussi? Est-ce que c'est parce que maman a passé beaucoup de temps à pomper des bites et à faire des choses comme ça pendant que tu étais présent? Est-ce que c'est... Si c'est ça, Arnaud, moi, je vais pas pouvoir t'aider. Voilà. Et donc pour ce soir, tu vas y aller. On en a, c'est bon, on en a eu pour notre fric. Tu vois, j'ai un peu pris ta défense tout à l'heure. J'ai dit ce que je pensais, bon. Mais t'as compris, maintenant, c'est bon, on est au bout pour ce soir. Voilà. Donc je vais te mettre à la porte. Et puis j'espère pour toi que tu vas réussir à discuter avec ta mère. Si effectivement ta mère a fait trop de trucs de cul devant toi, si ta mère s'est fait sodomiser souvent en ta présence,
c'est avec elle qu'il faut en parler. Voilà, faut pas venir en parler ici. Allez, oui, Alban, c'est à toi la main. Ouais, bah écoute, non, je parlais de ça, et puis là, il y a eu le petit épisode avec Arnaud, d'ailleurs, c'était extrêmement désagréable. Alors, je sais pas au niveau de la radio, mais au niveau de Skype, c'était un peu désagréable de vous entendre parler tous les deux, parce qu'on comprenait rien du tout, ni l'un ni l'autre. T'inquiète, il y a le bouton pour ça. Il y a le bouton. Ah, ouais. Bon, bah ça va, pour la radio, on est demain. Mais sinon, on écoutera le podcast demain, ouais. Ouais, voilà, parce que c'est, sinon c'est un peu compliqué. Mais je voulais saluer mes parents qui viennent de finir leurs 20 ans de famille d'accueil. Justement, quand tu parlais là, tu viens de parler à Arnaud avec des trucs un peu crades, mais c'est quelque chose qui existe dans la réalité. Et voilà, je voulais simplement, simplement leur souhaiter. T'avais quel âge quand ta mère elle a commencé à être famille d'accueil? Alors écoute, c'est une très mauvaise idée que je lui ai. Enfin, une très bonne et une très mauvaise idée. Parce que ma maman nous a. Moi, j'ai deux frères en fait. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que. Elle n'avait pas travaillé. Et pour avoir une retraite convenable, elle voulait bosser. Puis à un moment, tu sais, dans ma famille, il y a eu. Moi, j'étais déjà en Belgique, hein. J'avais 22, 23. Ah oui, d'accord. Oui, non. T'as jamais côtoyé les autres enfants jeunes. Ouais, voilà. Jeune, mais quand je revenais, quoi. D'accord. Et, mais c'est un métier de dingue, hein. C'est un truc de fou, ça, de faire ça. Franchement, avec le recul, bon, c'est bien parce que du coup, ma mère, ça lui a permis d'avoir une retraite parce que c'est quand même un métier qui est assez bien payé. Et même. Franchement, hein, qui est bien payé, mais bon, c'est un métier à part, quoi. Hein. C'est 24 heures sur 24. Bon, c'est un métier un peu spécial. Et voilà, donc, bon, moi, je lui avais conseillé ça. Et c'est vrai que ça nous a aussi un peu, mes frères et moi, un petit peu pénalisés quelque part. Parce que, bon, mine de rien, tu sais pas, en plus, tu sais pas aller en Belgique comme ça. Enfin, tu sais pas aller dans un pays étranger avec des enfants que tu gardes parce qu'il faut des papiers. Et, je veux dire, c'est quand même un truc assez sévère, quoi. Hein. Elle a eu des étrangers ou c'était des enfants français du coup T'as eu. Alors d'origine étrangère, oui, t'as eu un étranger. Parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont défilé. Donc t'as eu un portugais, je crois. Au moment. Voilà, donc t'as eu des. Ouais, enfin. Voilà, bon. De quel âge ils avaient? Oh, ça dépend. T'as eu du. T'as eu des missions, parce que c'est vraiment par mission en fait, hein. C'est pas que la DAS, hein. t'as plein de clients en fait. Ouais. Donc t'as plein d'organismes. Plein de clients, c'est ignoble d'en parler comme ça. Quoi. Non, c'est je te pose ces questions parce que je trouve ce métier bizarre. Quoi. Ah ouais, non, mais c'est extrêmement bizarre, t'as toute raison. Non, c'est de clients, d'organismes clients, pas des enfants. Les enfants, voilà, c'est les enfants, quoi. Tu gardes. Mais de clients, mais il faut le considérer un petit peu comme ça. Et ma mère, elle l'a toujours fait, parce que sinon, t'es bouffé, quoi. Mais elle a jamais gardé à long terme un enfant? Ah si, on a eu Flora. Ah non, plus que ça. Ouais, plus que ça. Le plus, ça a été 7 ans. Ouais, ok. 6-7 ans, ouais, quand même. Et du coup, pourquoi ils s'en vont? C'est parce qu'ils sont, ils deviennent majeurs, ou c'est les parents qui les récupèrent ou... Ah non, bah mes parents sont à la pension. Ils sont à la retraite, voilà. La retraite comme tout le monde. Donc, ah oui. Donc c'est un peu bizarre parce qu'ils en avaient marre. Quoi. À la fin, c'est un truc. Ils en recevaient combien? Alors tu reçois à peu près quand tu fais le truc. Eux, ils en même temps, je veux dire, ils en avaient combien en même temps? Ouais, ça dépend. Ça tournait autour de 2 ou 3. Ouais, quand même. Une fois, c'est tombé à 4. Wow. Et c'est à peu près 700-800 euros par enfant net, quoi. Avec la nourriture comprise, habillement. Non, ça c'est déjà déduit, ça. D'accord. Donc elle reçoit en plus pour les habiller, les nourrir. Ouais, mais bon, en même temps, elle faisait. Enfin, voilà, quoi. Je veux dire, elle empiétait, quoi. Tu vois. Je veux dire, elle n'était pas au centime près par rapport à ça, quoi. Ouais. Et ça, c'est ça qui est pas mal. Donc là, ils viennent de prendre leur retraite. Et franchement, c'est un truc qui me touche un peu parce que maintenant, on a des 2-3 personnes qui gravitent autour de la famille qui font partie, quoi, hein, mine de rien.
Mais attends, bah, ils ont pris leur retraite alors qu'il y avait encore des enfants en garde, du coup. Ouais, bien sûr. C'est particulier un peu quand même. Je sais pas, t'as un enfant avec toi dans la maison et tu dis, bon, en fait, je prends ma retraite, donc tu peux aller ailleurs. C'est terrible. C'est chelou un peu, non? C'est terrible, c'est compliqué, il faut faire comprendre et tout. Non, c'est... Ah ouais. Les non, gamins. Je trouve ça vraiment comme métier vraiment bizarre parce que tu t'attaches forcément à ces enfants-là et quand on te les retire au bout d'un an ou deux ans ou trois ans ou sept ans, t'imagines ? En général, tu passes sept ans avec un gamin. Faut dire la vérité, en général, on les retire pas beaucoup, quoi. Aïe, j'adore ce programme. Hein. On fait ce qu'il faut. Ouais, c'est l'un des rares programmes sur la planète où. Avec lequel tu peux causer, hein. Tu peux t'inventer des trucs, tu peux supputer, tu peux imaginer, tu peux te persuader. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en fait, ce dont tu es persuadé, moi j'en ai rien à foutre. L'important, c'est que notre rendez-vous existe, hein, qu'on soit ensemble. À bord, nous avons Julien, il a 44 ans, il est à Mont-de-Marsan. Présent. Guillaume a 27 ans, il est au Mans. Je suis là. Pascal a 43 ans, il est à Seclin. Toujours présent. Alban a 39 ans et il est à Mons en Belgique. Merci pour la sélection musicale, toujours présent. Avec joie. Et tu vas voir, c'est pas fini, on a encore d'autres trucs. On va écouter un peu Guillaume au Mans et ensuite on ira à Seclin dans le nord de la France. Écoutez Pascal. Envoyez Guillaume. Ok, moi pour reparler un peu de mon fils qui arrive, hein, bien sûr j'arrive pas trop à parler d'autre chose en ce moment, j'ai que ça en tête. Donc voilà, début décembre, alors oui je suis hyper pressé, j'ai aussi beaucoup d'inquiétudes, j'ai parlé par rapport à la langue et aussi par rapport à... Moi j'ai un handicap, je suis non-voyant. Et la gestion d'un petit bébé comme ça, moi j'ai jamais eu l'occasion d'être en contact avec des enfants depuis dans ma vie en fait. Hein. J'ai pas de petite nièce, j'ai pas vraiment de petite cousine, j'ai pas vraiment eu de bébé dans mon entourage. Donc ouais, ça me fait un peu flipper quoi, la gestion d'une petite chose comme ça à la maison. C'est pas tant de la gestion, comme tu dis, de la petite chose comme ça à la maison à... Au Mans, où tout le monde est là, c'est la gestion de la même petite personne là-bas en Indonésie, avec ton, enfin je sais pas, je connais pas ton degré de langage local, mais gérer donc le petit enfant dans cet univers-là, ça va être, il va falloir s'accrocher un peu, non? Après ça va, au niveau du langage je me débrouille bien, ça y a pas de souci, je communique bien avec ma famille. Comment en indonésien on dit je crois qu'il a une péritonite? Ça, bon, ça. Déjà en français je sais pas ce que ça veut dire, tu vois. Attends, comment on dit? Ouais, il a eu une quinte de tout et depuis il a semble-t-il de l'aérophagie. Il y a Google Translate, Maurice. Ouais, enfin, non, Google après, Translate, une fois que t'es en Indonésie, je sais pas si... T'as ta belle famille qui pourra t'aider au cas où, t'inquiète pas. Surtout qu'on vivra ensemble, tu vois, moi je vivrai pas en tant que célibataire, voilà. Si je passe en Indonésie, je suis dans une grande maison avec ma belle-mère, mon beau-père, il y a les nièces. Mais il faut imaginer que ta belle-mère, ton beau-père sont tout le temps en contact avec l'enfant, et que toi, tu n'as pas du tout besoin de t'en occuper, en fait. Ce sont eux... si jamais l'enfant se met à tousser, sont eux qui remarqueront que l'enfant tousse, quoi. Bah, en fait, c'est ça que j'ai peur. Je vais faire très attention à ça. Je pense que ça pourrait être un sujet de tension. J'ai pas envie d'être évincé, effectivement, de l'éducation de mon fils parce que, effectivement, je vais me retrouver dans un pays étranger et en plus avec mon handicap qui est supplémentaire. Donc, ils vont peut-être être tentés de se dire bon, bah voilà, t'inquiète, c'est bon, on va s'occuper quoi, laisse faire. Et moi, je vais pas du tout apprécier ça, mais je vais le clair directement et je pense qu'ils l'ont très bien compris en fait. Voilà, donc en tout cas, je l'espère qu'ils vont le comprendre. Attends, parce que la situation n'est pas claire. D'un côté, tu dis je serai avec ma belle famille, c'est elle qui va s'occuper de tout, si jamais l'enfant se met à tousser, etc., c'est eux qui vont tout faire. Et dans le même temps, t'as pas envie de te faire arracher la vie du gosse. La seule chose, c'est que tu seras complètement exclu.
puisque toi, tu seras pas capable de parler comme là, tu parles de cas extrêmes. Tu parles d'un cas où il y a une maladie, effectivement. Si non, pas un cas extrême. Pharmacie, oui. Ben, c'est pas extrême. Il nous arrive à tous, tous les jours, d'avoir un petit machin, un truc, on se met à tousser. Ça sera pas la majorité du temps. Ça va arriver de temps en temps, forcément. Mais je parle pas de la... Je vais demander leur aide. Guillaume, rien n'arrive la majorité du temps. Absolument rien. On n'a pas faim la majorité du temps. On n'a pas envie de pisser la majorité du temps. Ce sont des séquences. Notre vie, c'est un ensemble de séquences. Et dans cet ensemble de séquences, on peut avoir un moment où ça nous gratte, on peut avoir un moment où on tousse, on peut avoir un moment où, je sais pas quoi. Donc quand on est dans notre pays ou quand on est capable, quand on est dans un pays dans lequel on peut se faire comprendre, bon, on dit voilà, je tousse, c'est pas grave, ce que j'ai, je pense, etc. Et on prend le médoc. S'il y a une famille, donc en écran entre l'extérieur et soi, c'est plus toi qui gère là, c'est la famille. Ouais, mais il changera quand même les couches, donnera à manger. C'est ce que je voulais dire, c'est que peut-être, là, dans le cas extrême de la maladie. Il le lavera. Ouais, Maurice, c'est pas un petit. D'accord, ok. Enfin, c'est ça que j'ai compris, quoi. D'accord. Mais voilà, c'est une inquiétude que j'ai aussi. C'est effectivement, ce que tu dis, ça peut se passer. Là, tu prends le cas extrême de la maladie. Effectivement, là, dans ce cas-là, je vais laisser, je pense, gérer. En tout cas, s'il faut aller à l'hôpital ou à la pharmacie, effectivement, je vais pas m'amuser. Il y a ça. Et la deuxième chose, c'est que. Il y a ton épouse surtout, hein. Avant de parler de la belle famille, il y a ton épouse aussi. Elle est là, oui. Et la deuxième. La deuxième chose, c'est l'organisation de la famille. Bon, moi, je sais pas, mais est-ce que dans les familles musulmanes traditionnelles, est-ce que c'est. Qui s'occupe des enfants? Qui est celui qui prend les décisions pour la famille? Est-ce que c'est le patriarche? Est-ce que c'est la maman? Tu vois, est-ce non, mais que. Attends. Toi, t'es à quel. Parce que là, on n'est pas au Mans. Là, on est parti on est parti en Indonésie, une organisation de société qui est un peu différente, avec en plus. La religion et l'interprétation de la religion locale. Non mais attends, il y a un truc qui est très clair avec ma belle famille et moi, c'est que moi, quand je vais là-bas, je suis pas du tout dans un lien de subordination comme ça, c'est-à-dire je me plie à leurs règles, etc. Je veux dire, je respecte, parce que je vis chez eux, donc effectivement, je respecte leur façon de vivre, etc. Mais je suis libre de faire mes propres choix. Je veux dire, quand on a vécu là-bas avec ma femme pendant quelques mois... Voilà, je faisais ce que je voulais, je veux dire, je me levais à l'heure que je voulais. Parce qu'ils sont quand même progressistes d'avoir que leur fille se marie avec un jeune converti. Non, ils sont très ouverts. Voilà, donc je pense que... Non, mais par contre, Maurice a raison, ça peut être un sujet d'embrouille avec eux, parce que moi, je ne vais pas accepter qui s'immisce en fait, je veux dire, dans l'éducation de mon fils. C'est-à-dire que c'est moi et ma femme qui allons choisir les règles de vie de cet enfant, à quelle heure il devra se coucher, à quelle heure qu'est-ce qu'il veut leur avoir le droit de faire et ne pas le droit de faire. Alors attends, moi, je vais pas les laisser imposer leur truc, quoi. Moi, j'ai une question d'organisation de cette famille. Est-ce que c'est le papa qui commande dans la maison? Le père, donc le père de ton épouse. Et est-ce que ton épouse écoute ce que son père lui dit? Ou est-ce qu'elle dit, voilà, moi maintenant, j'ai écouté ce que tu... avant, c'était toi le patron, c'était toi qui décidais. Maintenant que j'ai trouvé un chéri français, c'est lui qui décide pour moi. Dans ta maison. En tout cas, dans l'islam, pendant mon mariage, tu vois, on a fait une cérémonie. Et dans la cérémonie, en fait... son père m'a dit, voilà, je te confie ma fille. En fait, dans l'islam, c'est ça, c'est que je donne une dot au père et lui, il me confie sa fille. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est mariée, je suis censé être le nouveau responsable. Oui, mais dans sa maison ? Ouais, mais attends. C'est-à-dire que. Enfin, en fait, c'est-à-dire que lui. Attendez, je vais être sûr de comprendre, moi. C'est-à-dire que, tel que vous êtes organisé, il t'a donc donné sa fille, etc., machin truc, etc. Et donc, dans sa maison, ce n'est plus lui qui commande, c'est toi qui prends les décisions. Bah, pour ce qui concerne ma vie familiale, mon fils et ma femme, oui. Dans sa maison. Bah, ça dépend. Après, voilà. C'est-à-dire que, par exemple, si lui il considère qu'on mange à 18h dans sa maison... Ah non, ça c'est mort.
Et que toi... Ça, moi, je respecte pas ça. Si je vois, en tout cas, c'est jamais passé comme ça jusqu'ici. D'accord. Déjà, de toute façon, lui, il mange tout seul dans son coin. Mais Guillaume, voilà. Est-ce que tu te rends compte que maintenant, il va y avoir un bébé, quoi. Et ouais, que mais... le rôle de grand-parent, il va forcément prendre le dessus. Forcément. Bah, de toute façon, moi, de toute façon, si toi, enfin, je sais pas ta situation quand tu vas repartir là-bas, ouais. Et que si t'as pas une contre, un contrepoids pour ça, ça va être compliqué, quoi. Enfin, moi, je pense, hein, sincèrement, hein, parce que est-ce que t'as un plan professionnel là-bas au moins pour montrer que tu vois que tu ramènes. Là, moi, je taffe là sur Internet, je suis rédacteur en ligne, j'aurai un revenu bien plus important que tu vois. Même ma femme, pareil, elle taffe aussi, elle donne des cours de géographie, pareil par Internet. Je veux dire, l'argent que nous on ramènera, ça sera largement supérieur au leur. Mais non, mais c'est pas l'argent que vous ramènerez, c'est l'argent que toi tu ramèneras. Ah oui, non, mais moi, il y a pas de souci. Ça, de toute façon, voilà, c'est ils me paieront rien. Hein. Je sais très bien que la bouffe, ce sera nous qui continuerons à la payer. Voilà, il n'y a jamais eu ce lien, je veux dire, ils m'ont jamais imposé des trucs, j'ai jamais vécu ça. Après, j'ai cette petite crainte, effectivement, mais j'ai été clair avec ma femme, c'est que je sais très bien que s'ils commencent effectivement à m'imposer des trucs et tout, surtout par rapport à mon fils, voilà, moi je vais pas du tout accepter, on va devoir déménager, ça c'est sûr. Mais la grand-mère, elle va être déçue. Forcément, t'as posé des trucs. Ils vont pas sûr. Et bien sûr que si, ça fait des milliers d'années que ça se passe comme ça. Les grands-parents imposent forcément des trucs aux parents, je veux dire, en disant ouais, tu dois pas faire comme ça parce que quand t'étais petite, j'ai pas fait comme ça, machin. Enfin, je veux dire, c'est dans l'ordre. Je leur dirais non, et si je vois que ça crée trop de conflits, effectivement, on sera obligé de partir. Enfin, nous, on veut vivre là-bas parce que pour l'argent, au début, on est pour avoir suffisamment d'argent pour économiser, pour rentrer en France de temps en temps. Puis même l'ambiance, nous, on adore l'ambiance là-bas au village, c'est toute la famille, tu vois. Là où on est, c'est une grande maison et t'as tous les voisins, en fait, c'est les oncles, les tantes, les cousins, les cousines de ma femme, tu vois. En fait, c'est vraiment un village familial. Donc, vivre là-bas, pour nous, c'est naturel. En plus, notre fils va grandir avec les petites nièces de ma femme, tu vois, qui ont genre 5-6 ans, l'autre, elle a 12 ans. Il y a plein d'enfants en fait tout autour dans la maison, enfin je veux dire c'est un truc hyper